17h, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir de vous renouveler, de vous retrouver une fois de plus scotché sur Info TV 317 canal SAT. C'est l'adresse justement pour votre programme Le Grand Soir qui débute à l'instant. Et justement, ce soir, nous restons dans l'actualité sportive. Nous épiloguons sur le dossier Rigobert Song. After, on va le dire comme ça, puisque Rigobert Song est arrivé au terme de son contrat hier, qui n'a pas été renouvelé par le gouvernement du Cameroun. Et ce soir, donc, on va s'interroger sur les différents profils qui, pour succéder à Rigobert Song, voilà la mise en bouche, que dis-je, introduction de ce plateau du Grand Soir. Nous allons observer attentivement les profils. Nous allons épiloguer sur les quelques noms qui commencent déjà à faire la une de la presse. Nous allons revenir sur la question du national ou de l'expatrié. Faut-il conserver un national à la tête de la sélection Fagnon? Nous en parlons ce soir sur le plateau du Grand Soir. En thématique numéro 1, nous allons revenir sur une problématique qui semble parfois être oublié, mais nous allons parler du baccalauréat et nous allons questionner le sort réservé aux majors. Que deviennent les majors au baccalauréat au Cameroun? C'est une interrogation à laquelle nous allons essayer de répondre. Lorsque l'on sait, et c'est une révélation, que le major pour ce qui est de l'édition 2023 nous vient du lycée Nilon d'Okpassi, il aura eu une moyenne de 17,20, et que le lycée de Fonakete est le premier établissement public au Cameroun. On s'interroge ce soir, que deviennent les majors assez prestigieux parchemin au Cameroun? On va en parler ce soir. Et nous terminerons avec ce qui s'apparente désormais à une guerre de positionnement avec ces personnalités dans le viseur. Il ne se passe plus de jour sans que l'on annonce une ou telle autre personnalité qui viserait un strapontin présidentiel au Cameroun. On va essayer de voir qui est derrière, qui manœuvre, ou alors tout simplement son des règlements de compte contre ces personnalités-là. On voit des banderoles circuler sur les réseaux sociaux, on voit des dénonciations ou alors des rétractations plus ou moins assumées. Ensemble, on va épiloguer sur la question de savoir guerre de positionnement des personnalités dans le viseur. On en parle ce soir, nous sommes sur le Grand Soir. Mesdames, messieurs, une fois que je l'ai dit et que j'ai décliné le menu qui vous attend ce soir, permettez-moi de respirer en régie avant la présentation de ceux qui nous accompagnent ce soir. Retour sur le plateau du Grand Soir. Vous le savez, votre émission est essentiellement interactive. Ça veut dire que ce qui sera dit sur ce plateau, vous avez la possibilité de le commenter, de le décrypter, de l'analyser. C'est votre devoir aussi. Vos opinions comptent et ce soir, elles vont compter encore plus. En présence de panélistes qui sont déjà avec nous, le tout premier que je présente est politique, plus ou moins, il est politologue pour être plus précis, c'est-à-dire il a la science en ce qui concerne les questions politiques. Paul Stéphane Menunga, il est parmi nous, nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Balga, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs et internautes du Grand Soir. C'est un plaisir, un privilège d'être convié à cette émission, tout en espérant que nous serons à la hauteur des sujets qui seront mis à discussion. Merci à vous, Paul Stéphane Menunga, pour la présence en plateau. Tout de suite, je m'en vais me tourner vers mon seul et unique confrère sur ce plateau, Ambroise Médard-Manga, bien connu des différents plateaux de Info TV. Plus question, ou alors plus besoin de présenter et la une qui porte sa plume, Leader Press, c'est son bébé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Mbarga et bonsoir aux millions de téléspectateurs de ma chaîne de télévision. Vous êtes chez vous ? Bien évidemment, je suis à la maison.
C'est pour cela que chaque fois que l'invitation m'est adressée, je suis tenu d'être là pour édifier la lanterne de l'opinion nationale et internationale. Merci à vous, chers confrères Ambroise Média Manga, pour le citer, pour la présence ce soir, une fois de plus, sur Info TV. Il l'a dit, nous le savons, il est chez lui ici, pionnier parmi les pionniers et ceux qui ont accompagné cette chaîne au niveau où elle se trouve aujourd'hui. Je me tourne vers ma droite toute proche, c'est le seul politicien actif, professionnel sur le plateau. Il est cadre au Parti de la Réconciliation nationale du Cameroun, PCRN, Yaya Bello. Comment vous présenter? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Baga, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour nous de répondre présent sur votre plateau, en tout cas sur vos différents plateaux, pour donner notre opinion par rapport aux sujets qui sont mis sur la table. Bonsoir aux co-panélistes et surtout bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent actuellement au Cameroun et partout dans le monde. Et je me sens aussi également chez moi, chaque fois que je suis à Info TV. Merci, Bello. Je ne peux pas vous laisser introduire sans vous poser une question que beaucoup de Camerounais qui nous regardent certainement se posent. Bello, comment va le PCRN? Le PCRN va très bien. Très bien. Bon, c'est vrai, il y a Comment il va bien le PCRN? PCRN Ah, bon, madame, s'il vous plaît, ce n'est pas un débat. Je permets à de se mettre à l'aise. Non, comment le PCRN va très bien. Maintenant, votre question, il y a un sous-entendu. Où en est-on? Je pense que vous vouliez dire où en est-on avec la contestation du Leadership, Congrès, oui. même pas du leadership, même pas du leadership, mais du Congrès qui a porté l'honorable Kabalibi à la tête du PCRN, c'est-à-dire le congrès du 11 mai 2019 à Guidigui. Donc, le premier président, qui est un des cofondateurs du parti, avait contesté donc la Conor régularité. Robert. Oui, enfin, Conor Robert, pour ne pas le nommer, avait contesté la régularité de ce congrès. Il n'a même pas contesté le leadership. Attention, c'est différent. Les mots ont des significations. Donc, où on en est, c'est que lui-même a saisi la justice. Au niveau des Kaélé, nous sommes déjà à deux audiences où il est attendu que Robert Kona présente l'original de l'assignation pour que les débats commencent. Et après deux audiences, il ne l'a pas encore fait. La prochaine audience, c'est le 7 mars à Kaélé. On attend qu'il présente l'original de l'assignation et que le procès commence. C'est lui qui a saisi la justice. Mais en attendant, c'est un Camerounais. Il a ses prétentions, il a ses droits, même si un citoyen peut se tromper de son droit, encore que se tromper de son droit n'est pas une infraction. Donc, la justice va dire son droit, mais Oui. en attendant, l'honorable Kabalibi est président national du Bello, question rituelle. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous sommes à 17h08, 10 au Cameroun. Existe-t-il deux PCRN au Cameroun? Non. Il existe un seul PCRM. Les membres sont soudés. Maintenant, Monsieur Conor Robert, qui est notre papa, parce que nous l'appelons, on ne peut jamais dire Conor Robert sans dire papa Conor Robert. Donc, il est notre père, notre papa au parti, parce qu'il est un des cofondateurs. Maintenant, il a émis une prétention que seule la justice va dire s'il a raison ou pas. En Oui. attendant, même Cabral Libi l'a rencontré à plusieurs reprises. D'ailleurs, lui-même, Cabral Libi lui-même l'a dit. Mais c'est beaucoup plus que Cabral ne prenait plus le téléphone. Non, bon, écoutez, ça c'est. Bon, je ne veux pas rentrer entre. En fait, les histoires, en fait, comme ça, entre notre papa et mon grand frère Cabral Libi. Mais pour le moment, le parti est soudé. Nous avons confiance en la justice de notre pays. Et nous saluons même déjà le fait que M. Kona et saisir la justice parce que ça, c'est une démarche citoyenne. Lorsque Oui. vous avez une prétention, vous saisissez la justice, c'est la justice qui dit le droit et que nous respections. Donc, pour le moment, nous sommes tous soudés au PCRN. Kabalibi reste notre président. Bon, M. Conor Robert, il s'est confié à la justice et espérons donc que la justice va dire le droit. Donc, il n'y a pas deux PCRN, il y a un seul PCRN.
Merci Yaya Bello pour toutes ces précisions. Nous profitons de votre présence puisque vous êtes un cadre, jeune cadre de cette formation politique. Je termine la présentation par un autre visage connu et désormais reconnu sur les différents plateaux de Info TV, Patrick Assega, analyste sociopolitique, enseignant pour le préciser. Il est sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Stéphane, bonsoir à tout ce riche panel. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir renouvelé de me retrouver parmi vous, Stéphane, afin de pouvoir apporter un soir de la victoire Cameroun-Gambie. La police a été presque incapable, il faut le dire, de contenir cette population qui s'est ruée dans les rues de Yaoundé, avec des ustensiles de cuisine et autres. C'est-à-dire ça a été difficile pour la police de contenir l'euphorie des Camerounais après la victoire lors des matchs de poule contre la Gambie. Donc, vous comprenez que l'affaire des Lions des Ontables devient une question d'État. Ce n'est plus une association comme toutes les autres. C'est une précision forte, et une question d'État. Oui, et je voudrais le préciser ici que celui qui avait dit qu'il n'y a pas de sport mineur, il n'y a ni de sport majeur, ni de sport mineur, c'est un tout petit peu entremêler les pieds, les pédales. Vous parlez du chef de l'État? Non, j'ai dit que c'est lui. C'est le président qui l'avait dit. Je suis donc en train de dire, je parle sur des faits. Oui. Les faits sont tels que... Mais il faut nommer les auteurs Je dis que c'est lui, parce que peut-être qu'on lui a demandé, de dire. Le président Paul Biya assume ses propos. C'est lui qui a dit qu'il n'y a pas de sport mineur. Peut-être que... C'est un agent au Cameroun. Le responsable du PCN disait qu'on a l'attitude de se tromper. Et ça, on peut le lui concéder. Parce qu'au Cameroun, les faits disent que... Laisse entendre. Et les faits perceptibles sont tels que... Le football reste le sport roi. Et ici en Afrique et même dans le monde, regardez le nombre de téléspectateurs pour suivre la Champions League européenne. Regardez là-bas. Donc, le football. Et au Cameroun, on a vu la seule fédération qui captive les attentions. Ce n'est que l'Africa Foot. Oui. Et par conséquent, les Lions Indomptables sont l'âme des Camerounais dans l'ensemble. Là-bas, il n'y a pas de parti politique. Le seul parti politique. Ce n'est pas ce que les autres disent au quartier que nous sommes les seuls qui a des mains. Le seul parti politique qui connaît en son sein la présence des autres militants, des militants des autres partis politiques, c'est le football. Donc là-bas, il n'y a pas de RDPC. La meilleure coalition. Voilà, effectivement. La meilleure coalition que l'opposition cherche se trouve en les Lions Indomptables. Et de ce fait, on parle de la short list, on parle de. Rigobert se fait chuter en disant qu'il n'a pas assumé. Ça, il faut qu'on se le dise. Il n'a pas assumé. Il n'a pas assumé. Oui. Et il n'a pas été à la hauteur. C'est votre avis? Non, c'est un fait. C'est pas un avis. Moi, je ne viens pas pour donner les avis. Je viens pour présenter les faits. Oui. Et c'est pour cela que vous connaissez mon franc parler. Je dis des choses telles quelles. Donc, Rigobert Song n'a pas été à la hauteur. Il a essayé, mais il a été dépassé par les événements. C'est pour cela qu'on n'a pas pu renouveler son contrat. Donc, pour les entraîneurs, c'est lorsque on recherche quelque chose, on lance un appel. Déjà que l'appel d'offre n'a même pas encore été lancé, à ma connaissance. L'appel d'offre n'a pas encore été lancé. Et quand l'appel d'offre sera lancé, on va voir les postulants. Et votre affaire de shortlist que vous parlez souvent, là, c'est ça qui crée des frustrations et autres. Mais il y a une shortlist assez introduit, oui, je le oui, sais. C'est ça. Vous ne pouvez pas ne pas savoir qu'il y a des noms qui circulent déjà. Des noms qui circulent. Et je dis, il faut attendre l'appel d'offres. Et lorsqu'on lance l'appel d'offres, les candidatures se présentent et sur la base des candidatures, on juge les performances. On essaie d'examiner les performances. Depuis Manga, oui. Vous savez très bien qu'au Cameroun, quand l'appel d'offres est lancé, le choix est déjà fait. Non, c'est ça. Je voudrais qu'on se départisse de ces méthodes-là, de ces mécanismes-là qui ne nous permettent pas d'être objectifs. C'est ça. Quand on a amené Kluivert et Seedorf, les sportifs camerounais n'étaient pas au courant. Donc, vous voyez, quand ils vont faire leur huis clos, leur shortlist,
Ils sont entre eux. Mais au grand jour, ça devient l'affaire de la population camerounaise. Donc, des supporters des Lions et Notables, ce n'est plus une affaire d'un groupuscule d'hommes qui se réunit. Il faut que les choses soient transparentes pour que la responsabilité n'incombe plus à X ou Y. Oui. Qu'on dise que nous avons, nous-mêmes, on était conscients, on était d'accord qu'on prenne celui-là. Mais malheureusement, on a été trompés et nous tous nous assumons. Pas que de jeter la pierre sur Samuel Eto'o et tout ce qui va avec. Parce on en reparle, DP Emanga. Merci pour votre premier jet sur la question. Paul Stéphane Menunga, alors on aurait pu titrer aussi Lions Indomptables, qui pour succéder à Rigobert Song. Il ne se fait pas de mystère. Nous avons des entrées, parfois entrées au lieu. On sait désormais qu'il y a des noms qui sont affirmés. On va évoquer Hervé Renard, qui est l'actuel sélectionneur de la sélection française féminine. Hervé Renard, ancien sélectionneur de la Zambie, ancien sélectionneur, je crois, de la Côte d'Ivoire, qui fait partie de cette shortlist. On a Tom Saint-Fit, l'ancien sélectionneur de la Gambie. On a Raymond Domenech. Ils sont nombreux, ces noms-là qui circulent. Alors, pour vous, quel serait le meilleur choix pour succéder au capitaine Courage et Rigobert Song, dont le contrat est arrivé à expiration, nous le précisons, hier encore? Je pense que pour moi, le meilleur profil serait un homme expérimenté, un homme qui a la capacité de dire non. Parce que quand vous êtes expérimenté, quand vous avez un parcours, vous avez la capacité de dire non. De dire non. Dire non à qui? À ceux qui passent le temps à penser que quand on est président, ça veut dire qu'on doit influencer. Ah, ça veut dire qu'à dire non à Samuel Eto'o. À Samuel Eto'o, au ministre, à tout le monde. Parce qu'il ne faut pas seulement parler de Samuel Eto'o. Il faut parler dedans. Il faut qu'on ait un entraîneur qui soit capable de dire non, je suis l'entraîneur des Lions Indomptables. J'assume le succès et l'échec des Lions Indomptables. C'est le meilleur profil. Ça veut dire qu'il soit camerounais, sénégalais, américain ou espagnol. Voilà le profil. Donc, vous ne seriez pas contre qu'on reconfie la sélection Fagnon à un expatrié? Je ne suis pas contre, mais je voudrais qu'on reconfie cette sélection à un national, si c'est possible. Mais si... Vous dites une chose de son contraire. Non, je ne dis pas une chose de son contraire. Je ne dis pas une chose de son contraire. Je dis, si il y a un profil national qui correspond à ce que je dis, qu'on lui donne l'équipe nationale, s'il n'y en a pas, qu'on aille chercher ailleurs, qu'on ne se renferme pas dans le carcan de la nationalisation du banc de touche. Mais s'il y a un profil qui correspond, vraiment qu'on lui donne les Lions Indomptables. Moi, ça ne va pas me déranger. Donc, j'ai dit, premièrement, il faudrait que le monsieur ait un parcours, un vécu, et qu'il soit capable de dire non, que ce soit au gouvernement ou à la FECAFOOT, et de limiter les ingérences. Voilà pour moi le bon profil pour les Lions Indomptables. Et je veux poursuivre en disant que pour Rigobert Song, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Un matin, on était là et on nous a dit que à partir de maintenant, c'est Rigobert Song, le manager. On a vu une correspondance du ministre d'État qui marque l'approbation du chef de l'État par rapport à l'immigration de Rigobert Song. C'est ça que je suis en train de dire, que quand on a nommé Rigobert Song, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Donc, on pourrait encore avoir un nouvel entraîneur sans qu'il n'y ait pas d'appel d'offres. C'est une possibilité. Et j'ai envie de dire, contrairement à ce que les gens pensent, parce que ça va dans tous les sens, et c'est peut-être par là que je vais sortir. Non, on reconnaît que Rigobert Song est une légende au Cameroun sur le plan du football. Il ne faudrait pas que les gens confondent des choses. Sur le plan du football, Rigobert Song est à jamais rentré dans l'histoire des Lions Indomptables. Mais sur le plan du coaching, il faudrait que les gens acceptent qu'il a encore des classes à faire. Parce que c'est vrai que chez nous, chez les Bantous, on ne tire pas sur un cadavre. Mais je veux quand même... Est-ce que Rigobert Song serait un cadavre? Non, c'est une figure de style. Elle est assez maladroite pour Stéphane. Non, elle n'est pas maladroite. Rigobert Song serait classifié. C'est une figure de style. C'est pour dire que c'est vrai qu'il est déjà parti, mais on peut quand même faire certains griefs. Oui. Sur le plan qualitatif et quantitatif, en réalité, Rigobert Song n'a rien apporté aux Lions Indomptables. Sur le plan quantitatif, nous tous on connaît les résultats de Rigobert Song. C'est, je crois, 8 défaites, 7 matchs nuls, et je crois, et 9 victoires, quelque chose comme ça. Sur le plan même de la qualité du jeu. Mais on ne voit rien du tout. J'ai dit on ne voit rien du tout, parce que moi,
Je ne suis pas dérangé du fait qu'on perde, parce qu'on n'est pas appelé à gagner chaque fois. Mais on peut perdre avec la manière. Vous ne pouvez pas jouer un match contre le Nigeria et vous n'arrivez pas à tirer au goal pendant 100 minutes. Ça pose quand même un problème. Vous ne pouvez pas jouer contre l'équipe qu'on a gagnée là. La Gambie. Et vous n'arrivez pas à faire circuler le ballon. Ça pose un sérieux problème. Donc vous voyez que ce soit sur le plan qualitatif ou quantitatif en réalité, les Gobert sont un problème. Et il fallait qu'on applique ce parallélisme des formes. Ou alors il fallait que le motif qui avait été relevé pour Conceição soit relevé pour Rigobert Song. Parce qu'on nous avait dit qu'en réalité, il n'avait pas atteint son objectif. Il n'a pas pu gagner la CAN. Or, il était au moins troisième. Et comment vous voulez conserver ou alors renouveler le contrat d'un entraîneur qui, en jouant un football qu'on ne saurait qualifier, n'a même pas pu atteindre les quarts de finale. Donc, ça aurait relevé quand même de l'extraordinaire qu'on renouvela son contrat. Tout ce que je peux lui dire, c'est bonne chance pour la suite. Vraiment, monsieur Song, vous avez encore les classes à faire. Et ce n'est pas quelque chose de surprenant parce qu'on a vu la même chose en 2010 en Argentine avec le grand Diego Armando Maradona. Quand l'Argentine s'est fait laminer par l'Allemagne, 4-0. On a oublié que Maradona était d'abord la légende de l'Argentine. On a dit qu'on ne renouvelle pas ton contrat. En réalité, ce qui compte ici, ce sont les performances, ce sont les compétences. Ce n'est pas le passé glorieux du footballeur. Merci Paul Stéphane Manunga, Patrick Assiga. Est-ce que les Gobert sont au-delà de son passé glorieux, n'est pas l'agneau sacrificiel aujourd'hui qu'on brandit comme ça pour masquer tous les manquements qu'il y a autour du football camerounais. Vous savez très bien qu'il y a souvent cette mainmise du politique dans la tanière. Vous savez que l'environnement plus ou moins avéré ou non du côté de Tsinga n'est pas très reluisant. Vous savez, il faut le dire aussi, que la QV 2024 des Lions Indomptables n'est pas la plus performante. Est-ce qu'aujourd'hui, Rigobert Song paye à lui seul tous les manquements qui sont autour de cette sélection, Fagnon? Oui, Stéphane, vous avez déjà répondu à votre question. Parce que moi, je pense qu'en remettant cette équipe à Rigobert Song, il y a cela 2 ans, c'est un gâteau empoisonné qu'on lui a remis. Et nous sommes toujours, nous allons toujours dans cette même logique de remettre à qui aujourd'hui le même gâteau empoisonné. Moi je dis Stéphane, qu'on prenne cette équipe, qu'on remette le plus grand entraîneur à l'heure actuelle, on peut dire Pep Guardiola par exemple. Oui, Guardiola. Oui. Jürgen Klopp. Si. Mais dis, apprenons les meilleurs entraîneurs, donnons-leur l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables, dans le climat, avec le climat sociopolitique qui règne dans cette équipe, dans l'environnement de cette équipe, il ne fera pas de miracles. Mais ça, c'est déjà... Quel climat est ce climat, on parle beaucoup... Justement, ce climat qui voudrait que dans la définition des objectifs à atteindre, l'accompagnement de l'équipe nationale du Cameroun, l'immixion davantage des politiques dans la gestion du football, une manque de vision. Il n'y a pas de vision. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une traçabilité entre le football jeune et le football senior. Comment est-ce qu'on en arrive là? On ne pose pas les vrais problèmes du football, mais on passe autant à nous brandir les lions indomptables, l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, quand on a abattu cet arbre, on veut à tous les prix redresser cet arbre pour davantage cacher la forêt en allant chercher je ne sais quel entraîneur qui viendra opérer des miracles. J'ai dit non. On va passer le temps à nous mentir. Parce que si Rigobert Song avait été arrivé même en demi-finale, malgré les difficultés et le climat qui n'est pas bon, on allait le maintenir parce qu'il aurait permis à un groupuscule de personnes de faire leurs affaires. Aujourd'hui, on n'a pas renouvelé son contrat parce qu'effectivement, les affaires des uns et des autres ne sont pas prospères. On parle d'affaires, mais est-ce que sur le plan comptable, Rigobert Song, est-ce que les chiffres qui ne mentent pas ne permettent pas qu'on puisse arriver à son
non-renouvellement de contrat. Moi, je sens eu le résultat et il n'a pas été récompensé. Est-ce que, justement, il n'a pas eu de résultat? On n'a pas renouvelé. Stéphane, on ne saurait attendre les résultats à l'état actuel des choses au niveau des Lions Indomptables aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Il n'y aura pas de résultat. Même si on nous donne 100 ans, il n'y aura pas de résultat. Tant qu'on ne va pas poser les vrais problèmes du football, la gestion correcte du football, qu'on évite, qu'on laisse les techniciens parler de football, essayer d'établir les règles permettant ainsi d'aboutir. Je vais vous rappeler que d'ici la Coupe du Monde 2030, les équipes qui veulent gagner cette Coupe du Monde sont déjà en chantier aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous faites? Et ceux-là qui doivent gagner la Coupe du Monde 2030, ce n'est pas les Aboubakar Vincent, non. Ce n'est pas les Choupo-Moting à l'heure actuelle. Ça serait être la cuvée de 2024. Rentrons chez les minimes, préparer une jeunesse qui pourra faire quelque chose en 2030. Oui. Mais on ne regarde pas de ce côté, on veut les résultats ponctuels. On veut les résultats immédiats. Non. Donc, venir jeter l'anathème à Rigobertson. Rigobertson ne pouvait rien, n'est pas magicien. Il ne pouvait rien. Il a pu travailler avec le potentiel humain qui était à sa disposition. Il ne crée pas de potentiel. Un entraîneur d'équipe de cet calibre ne crée pas de potentiel, non, crée pas des joueurs. Ce sont des joueurs accomplis qu'on essaie de rassembler pour pouvoir donner quelque chose. Mais comme on a vu en ces joueurs, ils n'ont pas l'air de cela. Et vous allez voir, prenez tout celui-là que vous voulez. Il ne va pas créer d'autres joueurs. Sur la cuvée de 2024, il va utiliser au moins 80% des mêmes joueurs. Il ne va rien créer parce qu'il n'y a pas de joueurs. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que comme le politique a décidé de gérer, et d'ailleurs, c'est le politique qui est le premier sportif dans ce pays, alors que le politique décide également de définir les orientations à donner pour le football camerounais. Il y a un texte du chef de l'État qui définit comment est gérée la sélection au Cameroun. Ce n'est pas une actualité, monsieur Assiga. Merci, je reviens vers vous, le temps de prendre l'avis de Abel sur la question. Alors, monsieur Assiga nous présente un vivier camerounais bien terne. En quelque sorte, il précise qu'il n'y a pas de joueur. Mais est-ce que Rigobertson lui-même a su mettre en valeur le peu qu'il avait? On a vu Emers Faye de Côte d'Ivoire prendre une équipe en pleine compétition et remporter la CAN. Est-ce que Rigobertson a essayé? Là, on parle au passé puisqu'il n'est plus en fonction. On se projette déjà qui pour succéder à Rigobertson. Mais on va essayer de voir ensemble s'il y aurait eu des circonstances atténuantes pour le manière national. Est-ce qu'il a essayé, avec le vivier qu'il avait, de tirer le meilleur de ce potentiel-là? Et aujourd'hui, Yaya Bello, qui peut succéder à Rigobertson? C'est la question qui se pose. On a des noms qui circulent, on a un vivier qui est blandi, il y a la question du local, il y a la question de l'expatrié. Qui peut succéder à Rigobertson? Lorsque l'on sait que les échéances n'attendent pas, elles sont à nos portes. Alors, je vais commencer par la non-recondition de M. Rigobertson Bahanak. Je crois que, là je veux parler comme un juriste, un contrat, ça met en branle deux ou plusieurs parties. Chaque partie a ses obligations. Oui. Maintenant, Rigobertson a signé un contrat avec l'État du Cameroun. Voilà, l'État du Cameroun, pour gérer l'équipe nationale du Cameroun en tant que sélectionneur, manager, bref, en tant qu'entraîneur, point barre. Maintenant, il est accompagné. Non, l'entraîneur, c'était Stéphane Minier qui a été aussi écarté puisqu'ils n'ont pas été reconduits. Tout le staff technique n'a pas été reconduit. Rigobertson était manager sélectionneur. Lui-même, il avait dit. Lui-même, il a dit d'ailleurs. Rigobertson Bahanak est le patron technique. Non, il n'a pas été le patron technique. Des Lions Indomptables. Appelons-le manager sélectionneur, tout ce qu'on veut. C'est lui qui est aux commandes du banc de touche des Lions Indomptables. Point bas. C'est-à-dire c'est lui qui sélectionne les joueurs, c'est lui qui met en place le dispositif technique et c'est lui qui doit produire les résultats de l'équipe nationale sur le terrain. Point. C'est ce qu'on a dit. Arrêtons les jeux de thème. Maintenant, un contrat, c'est quoi? C'est des obligations. Rigobertson a signé un contrat de 2 ans qui devait s'achever et qui s'est achevé hier. Il n'a pas été reconduit
tout simplement parce que les objectifs n'ont pas été atteints. 23 matchs joués, 9 défaites, 8 nuls, 6 victoires. Le contrat, la partie Rigobertson n'a pas rempli sa part de cahier de charge. Donc, il n'y a même pas de miracle à ce que sur le plan juridique, celui qui a contacté... En avait-il les moyens? C'est lui qui a signé, qui est le co-contractant, c'est-à-dire l'État du Cameroun. Parce que j'ai aussi entendu dire que l'État n'a rien à voir dans l'affaire du football. Mais ça, moi, ça me fait rire. Voilà. Le football, c'est une affaire d'État, c'est une affaire de la République. Dans tous les pays du monde. Au Brésil, il y a même un ministère de football. Quand on organise une compétition dans un pays, est-ce que c'est avec la fédération qu'on organise? Quand la CAF voulait organiser la CAN au Cameroun, on est venu voir le président de la CAF, on conçut les stades. Qui a conçu les stades? Ce n'est pas l'État du Cameroun. Qui assure la sécurité? Qui fait tout? C'est l'État. L'État met les moyens. Quand les Lions partaient au Qatar, l'État a sorti 7 milliards de ses poches. Donc, je ne sais pas ceux qui disent que pourquoi l'État intervient, pourquoi le président parle, il fait de la récupération politique, il n'a rien à voir. Ça, c'est un faux débat, franchement. J'ai même vu en France récemment, quand il fallait faire partir le président de la Fédération française de football, Noël Le Grec, parce qu'il était à un scandale de trop. C'est le ministre du sport, en fait, la ministre du sport, c'est une dame. C'est elle qui est venue dire que ce monsieur doit partir, et il est parti. L'État a un droit de regard dans la gestion du football, parce que le football, c'est une affaire de société, et ça intéresse l'État. Maintenant, l'État ne doit pas tout faire. L'aspect technique du football, c'est-à-dire la convocation des joueurs, les entraînements et tout, ça, c'est la fédération qui doit le faire. Donc, Rigobertson n'a pas été à la hauteur du contrat. Il n'a pas rempli ses engagements. Je suis d'accord avec Stéphane, ne tirons pas sur un cadavre. Un cadavre parce qu'il n'est plus à l'équipe nationale. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de sa carrière. D'ailleurs, je veux parler comme Eto. Nous lui souhaitons bon vent pour l'avenir. Il faut qu'il se forme encore davantage. Mais pour l'équipe nationale du Cameroun, il n'a pas été à la hauteur. Maintenant, quel profil pour le Cameroun? Je crois que, pour ma part, la première chose qui doit primer la désignation d'un entraîneur, en tout cas du futur entraîneur, et j'ai regretté la maladresse de Samuel Eto'o hier quand je l'ai suivi, c'est une maladresse incroyable. C'est donc confrère de France 24. Oui, déjà le choix du média. Bon, on ne va pas reprocher au président de la République de s'adresser. Il faut le lui reprocher. Allez-y. Stéphane Barga, il faut le lui reprocher. D'ailleurs, l'émission n'a pas été produite hier. Le temps de s'arranger avec le média France 24 qui est basé à Paris, le temps d'envoyer leurs représentants, les caméramans et tout, l'équipe technique et le journaliste qui présente, le temps de produire, rentrer à Paris pour mettre tout en branle. Vous êtes les journalistes, vous savez, traiter. Est-ce que l'interview a été produite à Yaoundé ou à Paris? L'interview a été recrutée au Cameroun. A été produite au Cameroun? Parce que quand vous la filmez, hein, je l'affirme, je dis pourquoi je l'affirme. Parce que quand je vois le décor, Monsieur Eto'o est assis, il y a trois répliques de la Ligue des Champions, parce que le troupeau principal ne reste pas avec les joueurs. Il y a trois répliques. Il paraît qu'on donne à chaque joueur une réplique de truc. Il en avait trois Ligues des Champions. Pour lui dire qu'il a gagné trois Ligues des Champions. Ça ne peut être que soit dans son bureau, soit au domicile. Voilà. Et cette émission n'a pas été produite hier et diffusée hier. C'est bien avant. Donc, je m'intéresse déjà sur le choix du média. Vous ne pouvez pas laisser tous les médias du Cameroun. Vous laissez Info TV. Vous laissez tous les autres médias. Vous partez vous adresser à un média étranger. Peut-être pour que ça arrive vite aux oreilles du chef. Parce que il paraît qu'on a vu une photo du président de la République dans son salon, on a vu France 24, on s'est dit, ben, quand France 24 parle, il va suivre. Donc on a choisi ce média, ce n'est pas un hasard. Maintenant, l'opportunité même de communiquer en tant que président de la Fédé où les choses ne marchent pas, la CAN, c'est un échec total. C'est un échec. Maintenant, au lieu de venir expliquer aux Camerounais pourquoi vous avez échoué, vous voulez vous justifier avec un semblant de démission. Maintenant, vous anticipez, parce que ça, c'est anticipé. On a Eto attendu juste que la non-recondition du contrat de son soit officielle pour s'exprimer. Et il a fait ça peut-être la semaine passée. On a sorti donc ça hier après l'officialisation. Mm-hmm. C'est une erreur. Et grave encore dans le contenu, je vais être rapide, je ne vais pas me reposer. Dans le contenu, quand M. Eto vous dit que c'est le président de la République qui nomme les entraîneurs,
C'est une erreur monumentale. Samuel Eto'o a-t-il déclaré sur le conseil de France 24 que c'est le président de la République du Cameroun qui nomme les entraîneurs? Oui. Il a dit dans une vidéo de 11 minutes, il a dit que lui, il va sélectionner, il va faire une shortlist. Il a dit que c'est le président qui choisit, qui nomme l'entraîneur au Cameroun. Il l'a dit. Vous pouvez diffuser. On peut mettre la vidéo là ici. Il a dit que lui, il lui appartient de faire une shortlist de 3 sélectionneurs avec une préférence à l'international. C'est le chef de l'État qui va nommer l'entraîneur. C'est une erreur monumentale. Parce que je lui rappelle que lui-même, quand tu voulais se présenter à la FECA Foot, me semble-t-il, on ne voulait pas qu'il se présente. On a même sorti l'affaire de la double nationalité. On était même sur ce plateau. On a dit, ben non, il faut le laisser. Il paraît que c'est le chef de l'État qui a dit que non, si ce monsieur peut, laissez-le. On lui a donné beaucoup de marches. Il a choisi le sélectionneur. Il a tout fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. La moindre chose, c'est d'être, sincère. Les Camerounais attendent des victoires. Ce n'est pas parce que vous avez réussi à régler les problèmes de primes, ce qui est normal, ce qui est bien, il faut saluer. Ce n'est pas parce que vous avez réussi à faire voyager les lions dans les bonnes conditions, ce qui est une bonne chose, et que le résultat ne suit pas qu'on ne doit pas vous demander des comptes, parce que c'est l'argent public, l'argent du contribuable. Et c'est comme ça dans tous les pays. Dans tous les pays, c'est comme cela. Donc, pour le choix, hein, je reviens sur le choix de l'entraîneur. Pour moi, ce qui doit primer, c'est de la compétence. L'équipe nationale du Cameroun, c'est une vitrine. Oui. C'est la deuxième équipe en Afrique avec 5 trophées. Une médaille d'or, football. Nous devons gagner. Pour cela, il nous faut des gens compétents à l'international. La preuve, tous nos joueurs qu'on sélectionne, en tout cas la majorité, on peut aller chercher dans les championnats étrangers. Donc, si on n'a pas de compétences nationales, si on n'a pas un entraîneur camerounais qui a fait ses classes, parce qu'on ne vient pas apprendre, contrairement à ce que Rigobertson disait, on ne vient pas apprendre à coacher à l'équipe nationale du Cameroun. Vous pouvez apprendre ça ailleurs, mais pas à l'équipe nationale du Cameroun. Vous venez à l'équipe nationale du Cameroun, vous avez un background pour les résultats. Tout simplement. Parce qu'il y a des entraîneurs, moi je connais un entraîneur à l'an 2000, il s'appelait, j'ai oublié son nom, à l'an 2000. Il a pris l'équipe en 99, il nous a fait gagner. Pierre Lechante. Il nous a fait gagner en l'an 2000. Il est parti en l'an 2001. Winfried Schaeffer est venu en l'an 2001. En 2002, on a gagné la Coupe d'Afrique. Donc, cherchons un entraîneur qui a de la compétence. Si on le trouve au Cameroun, tant mieux. Si on ne le trouve pas au Cameroun, cherchons ailleurs. Merci. Lions doivent gagner. Tout simplement. Merci, Monsieur Bello, les contributions. À chaque fois que, justement, la question des lions indomptables est évoquée, ne tarde pas. On va essayer de faire parler le maximum de téléspectateurs qui prennent la peine de réagir à ce qui est dit sur ce plateau. Alors, prenons ce message qui nous vient tout de suite de Côte d'Ivoire. Stéphane Barga, il y a 5 ans, bien avant la confirmation par la CAF de l'organisation de la CAN au Cameroun, en 2021, Samuel Eto'o est le seul Camerounais qui a pris son argent et son temps pour jouer les bons offices auprès d'Ahmad Ahmad et de la CAF afin que la CAN 2021 soit organisée au Cameroun. Malheureusement, les Camerounais sont trop ingrats et haineux. Stéphane, j'ai lu la lettre que le ministre Kombi Mwele a envoyée à M. Song et son staff pour leur annoncer la non-reconduction de leur contrat, une lettre indigne d'un ministre éminent professeur de droit. Cette missive transpire le cynisme, le mépris et la condescendance. C'est votre avis? Une question me turlupine l'esprit. Qui est responsable du manque d'eau potable, de l'électricité, des routes au Cameroun? Qui a été sanctionné? Yaya Bello du PCN, dont le bilan est de 7% à la dernière élection présidentielle, ose venir donner des leçons. C'est...